très problème, big problème. Mes cheveux, ils ont eu le temps de sécher carrément. J'avais rendez-vous à 2h30. Devine quoi? Je vais dans une adresse qui, je me tape 35 minutes de route. Je dis à Lubna carrément, mais c'est trop long. J'arrive à l'adresse, elle me dit, mais c'est pas là. Je retape la bonne adresse qu'elle me donne, parce qu'elle avait deux de salon. Je retape la bonne adresse, 37 minutes, j'ai fait une heure de route. Donc bref, 2-3 heures, ils sont passés sur la route. J'ai mon rendez-vous, heureusement, elle va me prendre une skin. Moi, j'aime trop les gens comme ça, on va pas. Vous voyez que j'ai des galères et tout. Et il m'annule pas le rendez-vous, genre, elle me dit, vas-y, mais allez, je viens. Non, mais je vais, ils ont une pensée, je suis tout, c'est, ah, ils sont affreux. J'avais eu mes trucs, plus j'avais eu plein de nerfs, et regarde tous les stars que j'ai pris dans ma tête, là, c'est affreux. Les hormones avec les nerfs et le stress et tout, c'est trop. Hein. C'est ça le vrai salon professionnel. Pas toi, Loulou. Tu faisais quoi au bled, toi? Je sais pas. C'est ça le vrai salon professionnel. Pas toi, Loulou. Tu faisais quoi au bled, toi? Je sais pas. T'as bien fait bien de ouf, hein? Arrête, arrête. Je sais. Arrête. Là où je... Arrête. T'as bien fait bien de ouf, hein? Non. Arrête. T'aimes bien? Non. Arrête, arrête de mentir. Regarde la tresse, comment elle l'a archi bien fait. Non, pas déjà. Menteuse, arrête. T'es jalouse? Pas comme ça. Arrête. Pas comme ça. Arrête. C'est comme pas ça. Pas comme ça, je sais. Là, elle me fait une mini tresse. Pas comme ça. Mais c'est comment? C'est comme toi, tu m'as fait hier? Oui. T'as pas vu hier ce que tu m'as vu ou quoi? Mais tu sais que tout le monde il a rigolé, Loup, non? Non! Tu sais pas. Attends, mais alors déjà, tu vois bien que là, m'arrache pas la tête, moi. Toi, tu m'arraches la tête. Et ensuite, de deux, faut pas oublier. Non, jamais, t'as vu? Tu comptes jamais au sera. Mais pourquoi? Moi, qu'on est pas comme ça. Ouais, mais toi, j'aime pas comment tu connais Loup, non, hier. J'aime pas comment ça fait le rendu, wesh. Tu comptes jamais au sera. Mais pourquoi? Moi, qu'on est. Pas comme ça. Ouais, mais toi, j'aime pas comment tu connais Loubna hier. J'aime pas comment ça fait le rendu, wesh. Je lui demande la wifi, c'était une jalouse. Je lui demande la wifi, c'était une... Mais depuis quand t'as des clientes, toi? T'as un vrai carnet... T'as un vrai carnet d'adresse. Mais là, se fout de toi. T'as un vrai carnet d'adresse, Loulou. T'as des clientes? Tu mens? Je te crois pas. Mais s'il te plaît, il m'a demandé. Non, c'est mort, arrête de toucher déjà, tu vois pas, tu démolis la perruque, arrête. Papa. Mais s'il te plaît, il m'a demandé.
Il est comme ça, il est trop beau. Il est en inspi Fendi Givenchy, il est trop trop beau, trop classe. Tu peux le mettre ouvert si tu veux. Tu ouvres les boutons, tu mets un débardeur. Tu peux le mettre en soie, il est trop beau. Tu kiffes, Loulou? De base, déjà, moi je l'avais pris pour mon. Maman barque tout, c'est pas grave. Il est trop beau. Bah, en fait, j'ai essayé, en fait, j'ai fait ça exactement parce que ma photo c'était un chignon, ma photo. Mais en fait, Loubna m'a dit que ça faisait vraiment pas beau et je le regarde et ça fait vraiment pas beau lâcher. Du coup, bah, je suis repartie chez elle avant de quitter. Quand j'étais ressortie et je lui ai dit, mais au moins finis-moi les pointes là. En tresse comme ça, bah, ça fait pas que drôle, genre entre guillemets comme ça. Et elle m'a dit, je peux pas sinon ça va s'ouvrir. Elle a dit, t'es obligée de garder comme ça ou en chignon. Du coup, bah, je laisse comme ça, c'est le mieux qui passe. Parce que le chignon, c'est vraiment, ça fait, on dirait, non, c'est vrai, j'ai même pas de longueur. Là, j'ai eu un testeur de ma foi, là. Je rentre dedans, il n'y a que des perruques et tout. Bref, je me coiffe, je lui dis, mais moi, je veux 100 trucs. Elle me dit, je te mets de la laine, je te mets des extensions. Elle me sort toutes les extensions. Je dis, non, je veux 100 trucs, je peux pas, je veux 100 extensions. Elle m'a dit, mais ça va faire mieux, parce que là, t'es cheveux, etc. Ils sont pas beaucoup longs, mais après ça va parce que j'avais jamais pu faire des tresses comme ça. Ils ont grave poussé de ouf. Et moi, je fais quoi? Je lui dis non, du coup, je reste sur mon truc. À la fin, je vois que c'est pas beau parce que du coup, j'ai été démaquillée. En fait, c'est joli, c'est très très beau, hein. Joli comme elle a fait. Elle est très, j'aime trop de ouf, mais en mode sur moi, ça m'allait pas parce que du coup, j'étais démaquillée. J'avais pas la tenue avec, plus j'avais pas de longueur et du coup, bah, ça faisait bizarre. Là, Loubna me dit quoi? Elle me dit, vas-y, fais les deux trucs devant comme sur la photo parce que c'était les deux querelles qui descendaient et fais que des extensions. Marie, des extensions, tu vas voir si tu vas devenir hella de ouf. Et je lui dis non. Et elle me le pose, elle me le dit au moins 4 fois. Et à chaque fois, je restais. À un moment, j'ai mis un doute, je regarde sur mon verre et j'ai dit non. Et j'ai pas craqué, je suis partie, j'ai pas mis des extensions. Ça, j'ai eu un vrai truc. Et c'est pour ça que ça fait des années que j'ai pas mis des extensions et j'ai pas mis. Je n'ai pas mis, c'est mes vrais cheveux. Je craque pas, je ne craque pas. Maintenant, quand je l'ai vu descendre, j'ai demandé à moi qui m'appelle. Là, il n'y a même pas 2 minutes. Quand elle vient de descendre, elle est partie à la pizzeria ou acheter à boire, j'ai rien compris. Et enfin bref, et moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je t'appelle dans 15 minutes. Dans 15 minutes, donc je pense que là, Luna sera remontée. Puis, automatiquement, je vais faire une confrontation au téléphone, on va voir. Lui, attention, il ne peut pas là, il peut m'appeler que dans 15 minutes, donc c'est parfait. Moi, il appelle. Attends, attends, je mets le haut-parleur. Allô, moi? Non. Oui. Je t'ai pas prévenu pour le chocolat que c'était pour mes enfants. Non, t'as dit moi, elle. Vas-y, on arrête de mentir. Attends, ça bug, attends, ça bug. Je te raconte d'où ça bug, j'appelle normal, ça bug même pas. Oh, c'est mytho. Allô? De Oui. toute façon, je vais passer, je vais passer, je vais passer. Vas-y, vas-y, tiens, tiens. Pas le temps pour tes conneries, là. Ah, Loubna, on dirait que tu m'as pas dit la vérité, hein? On dirait que tu m'as pas tout dit, hein? Tu veux pas me répondre? Il va passer, tu t'en fous ou pas? Il va passer, il a dit, hein? Tu t'en fous ou pas? Bah, ok, il me répond pas. Non, ne comprend pas l'anglais qui va très vite. Elle comprend l'anglais, mais elle comprend pas l'anglais qui va grave vite avec des raccourcis de mots et tout. Elle parle avec des gens et elle me fait moi rentrer dans la discussion en fait pour que je fasse traduction, mais elle comprend pas que moi aussi je comprends pas, et moi je suis comme ça. Hein? Mais je vais comprendre quoi? Il est où? Elle comprend plus que moi l'anglais. Et moi je suis comme ça. Hein? En plus, tu sais, avec des accents, je peux plus moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Est-ce qu'on est garé là même? Mais t'es quelqu'un de contente pour quelqu'un qui a menti.
et que tu sais que M il arrive, t'es quelqu'un de content, toi, mais t'es joyeuse, tu manges ta glace. J'ai hâte. Je me suis permise d'aller au mall. Pourquoi? Parce que j'avais envoyé un message après l'appel et je lui ai demandé s'il venait tout de suite ou tout à l'heure et il m'a dit tout à l'heure. Il est minuit 26 chez nous et lui il m'a dit qu'il allait venir à 1h du matin de chez nous, dans les alentours comme ça. Minuit 30, 1h du matin. Ça veut dire là il reste même pas 20 minutes. Non, moi il arrive dans 20 minutes. Hein. Non, t'es parti au mall avec moi, tu vas pas commencer à faire la... T'es parti même au Cana Café, t'étais contente, t'étais pas fatiguée, tu vas pas faire la meuf qui dort. Tu dors pas, c'est mort. Dis-moi comment... Non, c'est mort. Réveille-toi. Mais pourquoi tu veux dormir quand ça sent que tu sais qu'il arrive? Dors pas, c'est mort. J'ai envie de me mettre en pyjama, j'ai envie de me démaquiller, mais je me dis que je veux qu'il me voit quand même, je suis apprêtée quand même. En mode niveau, ce qu'il a perdu. Je me dis peut-être ça va faire plouc ou ça va pas faire plouc. Je fais quoi? Je me prépare. Bon, si je me prépare, je reste habillée comme ça. Et je rajoute juste le coup d'éclat. Et si je me prépare pas, ben je me démaquille tout. Je me démaquille tout et je me mets en pyjama. Je fais quoi alors? La base obligée. Il est dans le jar. En direct, coup d'éclat direct. Regarde, quand c'est jaune et quand c'est blanc, coup d'éclat direct. Il est dans le jar. En direct, coup d'éclat direct. Regarde, au moins je souris ou même si je m'embrouille, j'ai les dents blanches. Direct, j'ai pris une teinte. Je vais mettre un gros code. Si vous avez un date, un rencard, un problème, un anniversaire. C'est juste ça, ça vous suffit. Vous avez le coup d'éclat direct. Plus, dans mon offre, il y a une poudre. Ok, c'est juste ça, ça vous suffit. Vous avez le coup d'éclat direct. Plus, dans mon offre, il y a une poudre. Ok, c'est juste n'importe quel pack. Hein. Pour n'importe quel pack, que ce soit lui ou lui avec la trousse et les 5 articles brosse à dents, dentifrice, il y a cette poudre-là offerte. Que ce soit pour ce pack-là ou ce pack-là, il y a une n'importe quel pack. Hein. Pour n'importe quel pack, que ce soit lui ou lui avec la trousse et les 5 articles brosse à dents, dentifrice, il y a cette poudre-là offerte. Que ce soit pour ce pack-là ou ce pack-là, il y a une n'importe quel pack. Hein. Pour n'importe quel pack, que ce soit lui ou lui avec la trousse et les 5 articles, une poudre blanchissante offerte. Loubna là! Allô? Loubna là! T'as vu, je le savais, elle allait pas se réveiller. Vas-y, réveille-toi là, je rigole même pas. Hein. Du coup, toi maintenant, c'est quoi le délire là? Tu dis que moi je te livrerai des fraises au chocolat? Tu seras mal dit de faire ça. Mais c'est toi, tu l'as dit? Du coup, toi maintenant, c'est quoi le délire là? Menteur, jamais dit ça.
T'as jamais dit ça. Menteur. Jamais dit ça. T'as jamais dit ça. Jamais. C'est moi, je l'ai dit. Oui. Jamais. C'est moi, je l'ai dit. Oui. Force-moi à dire ça. Il y avait les goulets à chier. Assume, Yusra, je n'ai pas compris. Mais... Mettez-vous d'accord. Mettez-vous. Assume. Force-moi à dire ça. Il y avait les goulets à chier. Assume, Yusra, je n'ai pas compris. Mais... Mettez-vous d'accord. Mettez-vous. Assume. Force-moi à dire ça. Dis la vérité, Yusra. Quoi, tu vas me guérir? Plus tendance à la croire, elle que toi, là. Je la crois. Tu sors que me. Dis la vérité, Yusra. Mais je suis choquée. Mais je suis choquée. Mais je suis choquée. Oui, je commence, tu mens de ouf. Non, non, moi, jamais menteuse. Toi, t'es pas une menteuse. Non. Mais oui, c'est quel mytho que t'as. Quand je vais y arriver. Oui, je commence, tu mens de ouf. Non, non, moi, jamais menteuse. Toi, t'es pas une menteuse. Non. Mais oui, c'est quel mytho que t'as. Quand je vais y arriver. Oui, je commence, tu mens de ouf. D'abord, moi, il faut que tu ranges. D'abord, moi, il faut que tu ranges. Oui, prends, les cheveux pour toi, moi aussi. T'as pas de vie ou quoi, toi? Les cheveux, espèce de grosse menteuse. Putain, tu veux prendre des... Bon. Vas-y, je vais partir, on va arrêter ces minutes, parce que sinon je vais commencer à manquer de respect. Et quand on envoie des roses, on dit merci, ça va? Au revoir, moi. Bye. Des roses? Si. Bon. Vas-y, je vais partir, on va arrêter ces minutes, parce que sinon je vais commencer à manquer de respect. Et quand on envoie des roses, on dit merci, ça va? Au revoir, moi.